personne ne veut mourir, tu sais. Mais la mort est là, qu'on y pense ou pas. Tu es mort heureux en vivant ta vie telle que tu l'entendais. Tu disais, pour moi, un métier ne peut être que l'exercice d'une passion. Et rien ne me passionne que la course. Jusqu'à présent, je n'ai pensé qu'à elle. Je n'ai vécu que pour elle. Quand je ne cours pas, je me prépare en fonction de la prochaine course. J'essaye de ne rien négliger pour mieux réussir. J'ai conscience de pouvoir encore progresser dans tous les domaines. L'idée que j'arrêterai un jour de courir ne m'a jamais effleuré. J'aime trop toutes les machines qui vont vite. Patrick went motor racing because he liked motor racing. Patrick liked motor cars. He played with motor cars when he wasn't racing. He liked to drive Ferraris and Porsches and cars like that. And he was the time when he was most happy was when he was racing cars. It was an ideal occupation for him. Eh oui, l'enfant. Papa Ken t'avait percé à jour. Même si tu te cachais de lui pour revivre avec Michel Rougerie, encore un seigneur celui-là, des souvenirs de tes débuts en compétition. Formule 3. Les vaches maigres, puis le titre en 71. Après, tout va aller très vite. En 72, après ta victoire, tu disais. Et il faut gagner en Formule 3 pour faire la Formule 2. Mais je sais bien qu'au fond de toi-même, tu pensais, je suis prêt, la Formule 1 c'est pour bientôt. Et tu retournes à la Formule 2. Après les pygmées et tes économies envolées, John Combs. Difficile au début, super ensuite. Puis la L2 et enfin la marche BMW. Le championnat d'Europe, te voilà devenu un vrai professionnel. Ah, cette sacrée cigarette. Tu riais en disant que c'est le premier geste du sportif. Ce jour-là, tu espérais que Ken Tyrrell allait t'engager en Formule 1, avec ta jambe cassée. Heureusement, Edel, l'ami de toujours, était là pour te remonter le moral. Eh bien, Ken a dit oui. Et tu es arrivé en Argentine, sur tes béquilles. On dit que l'histoire ne se répète jamais, c'est à voir. Avoue qu'il t'a longtemps impressionné, ce grand bûcheron. Et puis au début, t'agaçait, il s'occupait trop de ta vie privée. Tu n'osais pas le lui dire, mais il t'agaçait. Les taches de rousseur, un regard malicieux et un sourire plein de gouailles, tu n'as pas changé. Mais mon Dieu, qu'il y a loin du petit provincial à la timidité exacerbée de l'été 72, au lion qui se bat contre le grand Lauda au Nürburgring cette année 75. Quel duel fantastique. Tour après tour, roue dans le. Et puis la suspension qui se rompt, le retour au stand au ralenti. Ne sois pas triste, l'enfant. Aujourd'hui, tu t'es montré l'égal des plus grands. Tu as perdu une course, mais gagné l'estime de tous. D'ailleurs, tu n'étais pas triste, tu étais vert. De course neuve à laquelle on s'apprête à faire accomplir ses premiers tours de roue, c'est un enfant qui vient de naître, à qui il faut apprendre à marcher, à lire, à écrire. Il faut préserver des dangers parce qu'il est encore fragile, maladroit, naïf. Et aussi parce que lorsqu'on songe aux passionnés qui ont conçu et construit ce chef-d'œuvre, au travail gigantesque qu'ils ont accompli, à l'amour qu'ils y ont mis, on se sent écrasé par ses responsabilités vis-à-vis d'eux. Au moment de démarrer, je me dis que je vais peut-être tout casser, réduire à néant ces heures et ces heures de labeur acharné, et je ressens une impression à la fois paralysante et exaltante. Pour moi, une voiture de course est bien davantage que l'outil qui va peut-être me permettre de gagner des courses, de l'argent et de la notoriété. Une voiture de course, c'est une chose merveilleuse,
doué d'une vie. Ce fut l'époque des comparaisons avec Schichter, avec Peterson. Jody was a very forceful character. Ronnie, a very aggressive driver, but a very quiet personality. Patrick was Patrick. J'ai perdu connaissance dans le tour de l'arrivée. J'étais vraiment dans ces genres. Presque à la descente depuis 40 minutes. Et toutes ces deuxièmes places, sans pouvoir enfin concrétiser. Mais même le prix du pilote le plus malchanceux, que tu reçus un jour à Monza, ne put détruire ton bel optimisme. Mais à chaque fois, tu te verras. Et ce fut ce jour de gloire, tant attendu, si souvent mérité. Pour ta première victoire en Formule 1, tu as choisi la plus prestigieuse. Ensemble, nous avons plongé vers des profondeurs où, loin des rumeurs de la piste, le silence devient une symphonie. Ensemble, nous avons nagé parmi les phoques de la mer de Cortez, et ce jour-là, tu as voulu être poisson. Et puis ce fut l'époque Ligier. Didier, ce solide compagnon dont la force physique t'épatait, semble bien triste sans toi chez Tyrène. Ah, te voilà maintenant devenu, en accédant au vedettariat, un homme épanoui. Contrairement à bien des champions que souvent le succès dénature, rien n'a pu et ne pourra jamais détruire ta passion inébranlable. Pourtant, ni les épreuves ni les souffrances ne te furent ménagées. Mais tu es resté dans la voie que tu t'étais fixée. Si les pilotes ont quelque chose de plus que les autres gens, c'est la volonté.
volonté de gagner, donc de guérir. Les médecins disaient, 2 années seront indispensables pour qu'il soit rétabli. 8 mois et 9 opérations plus tard, tu arrivais en Argentine, comme 6 ans plus tôt, en boitant. Certains disaient, De Paillé est fini. Un vaincu est toujours lâché par les lâches. Mais tu n'étais pas un vaincu et tu forçais l'admiration de tous. Tu répondais, je serai prêt à Kialami. Et à Kialami, tu étais en 3e ligne. Et à Long Beach en 2e. Après avoir gagné ce pari insensé de redevenir toi-même, jamais tu ne t'étais senti aussi fort.